Vous écoutez la radio nationale du Mali. Il est 9h ici à Bamako, la même heure à Koulikoro et à Ségou. Le journal. Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, dans une nouvelle dynamique pour renforcer leurs liens de coopération. Les autorités de transition des trois pays viennent de s'engager à travers une charte. Le document est nommé Charte de Lutako Gourma. Le but est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Le monde célèbre ce 17 septembre la journée mondiale de l'arthrose, la maladie articulaire la plus répandue au monde. On en parlera dans Focus Santé avec Barakissa Ouattara. Au menu la page sport, la Supercoupe Colonel Assimi Ngouïta édition 2023 remportée hier par la région de Ségou. Compétition interclub de la CAF, la Syrie est tombée à domicile ce samedi face au FC Nouadhibou de Mauritanie en Ligue des Champions. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour à vous et bienvenue dans ce journal. D'abord, cette nouvelle, le président de la transition, le colonel Assimi Ngouïta, a reçu hier en audience une délégation du Burkina Faso du Niger. La délégation burkinabé était composée par le ministre des Affaires étrangères. Pour celle du Niger, elle était composée du ministre des Affaires étrangères par intérim et celui en charge de la jeunesse. Cette audience tripartite a été sanctionnée par la signature d'un document, dénommé Charte du Lutako Gourma. Les trois pays constituent entre eux une alliance des États du Sahel, en abrégé AES. Le but de cette charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Voilà, après cette audience à Koulouba, les trois parties, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont animé un point de presse au ministère des Affaires étrangères pour expliquer le contenu de cette charte qui lie désormais les trois pays. La charte s'articule autour de 17 articles. Mamadi Kone a suivi cette conférence pour Mali Actualité. Trois pays, un destin commun, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, sont plus que jamais décidés à cheminer ensemble dans la lutte contre le terrorisme et pour le mieux-être des populations. La charte du Lutako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel est une décision de haute portée des présidents Capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Colonel Assimi Ngouïta du Mali et Général Abdourahmane Tiani du Niger. La charte se fonde sur l'esprit de fraternité, de solidarité et d'amitié entre les trois pays. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Les parties contractantes mettront en place ultérieurement les organes nécessaires au fonctionnement et mécanismes subséquents de l'Alliance et définiront les modalités de son fonctionnement. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance, en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et en cas de nécessité à user de la force. La charte est un instrument d'assistance et de secours en matière de sécurité dans les pays membres. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle ou collective. L'agression comprend également toute attaque contre les forces de défense et de sécurité de l'une ou plusieurs parties contractantes, y compris lorsque celles-ci sont déployées à titre national sur un théâtre d'opération en dehors de l'espace de l'Alliance. Les parties s'engagent à ne pas recourir entre elles à la menace, à l'emploi de la force ou à l'agression, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'une partie. À ne pas faire de blocus des ports, des routes, des côtes ou des infrastructures stratégiques d'une partie par les forces armées. Ne pas, à partir d'un territoire mis à la disposition par une partie, perpétrer des attaques
ou des agressions contre une autre partie ou des États tiers. Les décisions de l'Alliance sont prises à l'unanimité des États parties. Le financement de l'Alliance est assuré par les contributions des États parties. La charte peut être ouverte à tout autre pays partageant les mêmes réalités géographiques, politiques et socioculturelles qui acceptent ses objectifs. La République du Mali est désignée dépositaire de la charte. Elle a été signée ce 16 septembre 2023 par les présidents des trois pays. Dans le cadre des activités de la semaine de la réconciliation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et son collègue de la réconciliation ont présidé l'ouverture d'une conférence sur comment améliorer la sécurité humaine au Mali. La semaine de la réconciliation a pour but de sensibiliser les populations maliennes, renforcer leur sens de vivre ensemble pour un Mali apaisé. Youssouf Diakité. Comment améliorer la sécurité humaine au Mali? Voilà la question principale au centre de cette conférence organisée dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation. La sécurité humaine, de quoi s'agit-il? Commissaire divisionnaire de police Boubacar Soukouna, conférencier. De la sécurité traditionnelle qui a abouti à la sécurité humaine. Alors par sécurité humaine, il faut comprendre la conciliation de deux choses. En fait, la conciliation de l'objectif de la sécurité publique et également de l'objectif du développement humain. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui a ouvert les travaux de la conférence a insisté sur comment relever les défis d'une paix inclusive et durable au Mali. Général de brigade Daoudé Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Dédié à la réconciliation, à la paix, au pardon, à la cohésion et au vivre ensemble entre les filles et les fils de notre pays. Comment améliorer la sécurité humaine au Mali? Cette thématique qui est d'actualité mérite une large appropriation. Nous voulons édifier l'ensemble de la population sur le caractère holistique de la notion de sécurité et sur le rôle et la place de chacun dans le dispositif sécuritaire. Il s'agit au sortir d'une telle conférence d'intégrer la notion de sécurité humaine dans nos habitudes de tous les jours, un des piliers importants de la politique sécuritaire du gouvernement de la transition. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM. La stratégie de stabilisation des régions du centre est désormais opérationnelle à Mopti. Les membres du comité régional sont réunis pour définir les rôles et responsabilités de chaque acteur pour faciliter la mise en œuvre de cette stratégie et son plan d'action. Idrissa Keïta. Les acteurs du comité régional du cadre politique de gestion de la crise du centre au Mali, en conclave pour la mise en œuvre de la stratégie de stabilisation des régions du centre et de son plan d'action 2022-2024. Un document contenant plusieurs actions pour la paix, la sécurité et le développement. Cette session marque également l'opérationnalisation de la stratégie de stabilisation et de son plan d'action 2022-2024. Dr Faneke Dambélé, représentant du secrétaire permanent du cadre politique de gestion des régions du centre. En tant qu'acteur du niveau régional, votre rôle est d'une grande importance. Il l'est d'autant plus que la région de Mopti est l'une des régions les plus affectées par la crise actuelle, qui constitue des défis majeurs pour la stabilisation de la région. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de Mopti. La stratégie de stabilisation des régions du centre est vraiment la volonté des autorités de la transition pour circonscrire la crise multidimensionnelle afin que les populations puissent vivre dans un environnement paisible, sécurisé et avec justice pérenne et équitable. Les échanges ont permis aux participants de mieux s'imprégner du contenu du document de la stratégie de stabilisation des régions du centre, de son plan d'action 2022-2024, des rôles et responsabilités du comité régional, entre autres. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de Mopti. La stratégie de stabilisation englobe l'ensemble des régions touchées par la crise. Mais il convenait à Mopti de savoir ce qui la concernait exactement, partagé avec les différents représentants de l'État, les élus locaux et même les collectivités locales. Les recommandations issues de cette rencontre permettront aux acteurs de Mopti de mieux coordonner leurs actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Mopti, Idrissa Keïta et Sloane Tersouké pour l'ORTM.
Actualité hors de nos frontières. En Guinée-Conakry, hier, vendredi 15 septembre, devant la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, a eu lieu un sitting organisé par l'Association des magistrats de Guinée, AMG. Au premier rang des revendications de l'Association des magistrats de Guinée, le rétablissement de deux magistrats dans leurs fonctions de juge et du substitut du procureur du tribunal de première instance de l'Abbé. Les deux magistrats ont été suspendus par le ministre de la Justice le 16 août dernier. Les magistrats ont alors lancé une grève. Désormais, ils menacent de perturber la rentrée judiciaire prévue au mois d'octobre. Les conflits soudanais ne baissent pas en intensité. En 5 mois, plus de 5 millions de personnes ont été déplacées par les combats. Parmi elles, près de 420 000 Soudanais ont trouvé refuge au Tchad voisin. Face à cet afflux qui continue, les autorités tchadiennes déplorent une réponse humanitaire insuffisante. Alors, le Comité international de la Croix-Rouge a annoncé une stratégie de prise en charge pour assurer leur protection. Pour terminer, au moins 11 300 personnes sont mortes et 10 100 restent portées disparues dans la seule ville de Derna, dans l'est de la Libye, ravagée il y a près d'une semaine par des inondations sans précédent, selon un bilan publié par un organisme de l'ONU citant le Croissant Rouge libyen. À présent, la page sport football. Ségou remporte la Super Coupe Colonel Assimi Goïta édition 2023. En finale, Ségou a battu Bamako. Le score était 1-0 au terme du temps réglementaire. Compétition interclub de la CAF. La Serie A est tombée à domicile ce samedi face au FC Naïnouadibou de Mauritanie en Ligue des Champions. En Coupe de la Confédération, le Stade Malien accueille ce dimanche l'Aigle Noir du Burundi à partir de 16h30 au stade du 26 mars. Le développement de l'actualité sportive avec Famourou Diourté. En Coupe de la Confédération, le Stade Malien de Bamako accueille ce dimanche l'Aigle Noir du Burundi à partir de 16h30 au stade du 26 mars. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la manche aller du deuxième et dernier tour préliminaire. Notre équipe de reportage dirigée par Salif Diakité a assisté à la dernière séance d'entraînement du Stade Malien à Sotiba. La dernière séance d'entraînement du Stade Malien est marquée par la mise en place des schémas tactiques. Les Blancs de Bamako qui accueillent dimanche l'Aigle Noir du Burundi pour le compte de la manche aller du dernier tour qualificatif de la Coupe CAF préparent cette double confrontation dans un bon état d'esprit. Sékou Seck, entraîneur du Stade Malien. Les joueurs sont hyper motivés. Je pense qu'ils sont fin prêts pour faire face à cette rencontre, même si on a quelques difficultés parce que en réalité les entraînements et les matchs font deux. Franck Tchessé, capitaine du Stade Malien. Bon, j'ai jamais vu jouer l'adversaire, mais il y a notre coéquipier qui nous fait part un peu, qui les suit un peu. Voilà, à chaque fois, il nous fait part de comment l'adversaire joue et on arrive à voir un peu les trucs sur les réseaux. Et cela, en tout cas, nous situe un peu pour pouvoir se comporter ce dimanche face à l'adversaire. Pour le compte de cette manche aller, le Stade Malien espère réaliser le carton plein à domicile. Sékou Seck, entraîneur du Stade Malien. On a les moyens déjà ici de se donner la chance de pouvoir passer, c'est tout. Donc on va mettre tous les moyens de notre côté ici. Au complexe sportif Fé Fousséni Diarra de Sotiba, fief du Stade Malien, la motivation se trouve à tous les niveaux. Les responsables du club entendent tout mettre en œuvre afin de passer ce cap. Agui Bouba, président de la section football. Tout est fait, on a tout mis en œuvre pour ce match. Et là, on est en train même de préparer la manche retour. Parce qu'il y a les problèmes de visa, les problèmes de passeport des joueurs qu'on est en train de régler. Et même l'hébergement, le transport d'ici Dar es Salaam, on est en train de tout gérer. Donc tout est déjà fin prêt. Mais maintenant, pour ce match aller aussi, tout est calé. Tombeur de Watanga FC du Liberia au précédent tour avec 7 buts inscrits contre 2 encaissés, le Stade Malien affiche un visage rassurant dans tous les compartiments de jeu. En Ligue des Champions, le FC Nouadhibou a pris une option sur la qualification pour la phase du groupe. Le club mauritanien s'est imposé 3-0 ici à Bamako face à l'AS Real de Bamako. C'était ce samedi au stade du 26 mars. Le résumé de la rencontre avec Serakatou Cissé. Soirée compliquée pour l'AS Real de Bamako. Les Scorpions sont piégés à domicile 3-0 par les Mauritaniens de FC Nouadhibou. Les visiteurs déroulent comme dans leur jardin au 37e par Oumar Mangané, 72e et 82e minute par le même joueur Sidi Bouna Amar pour un doublé. Un ressort
est cassé dans cette équipe de l'AS Real. Noum Diané, entraîneur de l'AS Real. Ça fait partie du métier. Vous avez parlé du mental. Moi, je pense que c'est... Je vais essayer de parler d'une nouvelle équipe. Réellement, la majorité de ces joueurs-là, c'est la première fois de jouer aussi à ce niveau. Le FC Nouadhibou a gagné la bataille de Bamako. Lopez Garay Ariz, entraîneur de FC Nouadhibou. Because in front of us, we have a very good team. Il y avait un adversaire de taille en face. Après, le Real avait eu des occasions pour changer la donne du match. Mais on ne sait pas ce qui se passe avec. Le football, c'est comme ça. On avait un bon gardien qui était dans son jeu et des bons joueurs. Don't say what happened in the game because... Le match retour est prévu à Nouakchott le 1er octobre. L'AS Real ira défendre ses couleurs pour tenter de rendre la monnaie au FC Nouadhibou. Supercoupe Colonel Assimi Goïta, l'équipe de Ségou a remporté le trophée devant celle de Bamako. Les joueurs de la cité des Balanzans ont gagné suite à l'épreuve des tirs au but, 4 tirs contre 3. Le score était d'un but partout à l'issue du temps réglementaire. La cérémonie de clôture de l'édition 2023 de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta était présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, que je vous propose d'écouter. Le président de la transition voulait lancer des messages à la jeunesse malienne et aux Maliens. Vous rappelez sa célèbre phrase, « Je suis jeune, qui j'échoue, c'est la jeunesse qui aura échoué ». Ça voudra dire que nous sommes condamnés à réussir. Paraphrasé donc, « Je vais réussir avec la jeunesse ». Ça c'est le premier message, donc que les jeunes se mobilisent pour réussir tout ce qu'ils entreprennent. Le deuxième message, c'est à l'ensemble du peuple malien. Ces matchs constituent un véritable canevas de brassage de toutes les populations du Mali. Personne n'a regardé de quelle région on vient, on regarde comment les joueurs jouent. Et je crois que l'objectif du président a été largement atteint. Les rideaux tombent ainsi sur l'édition 2023 de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta qui s'est déroulée à Koulikoro avec le sacre de l'équipe de Ségou. Focus santé. Le monde célèbre ce 17 septembre la journée mondiale de l'arthrose, la maladie articulaire la plus répandue au monde. C'est une maladie liée au vieillissement, mais aussi à des facteurs génétiques et des maladies comme le diabète ou l'obésité. Comment éviter cette maladie? Quels sont les traitements adéquats? On en parle dans Focus Santé, une réalisation de Barakissa Ouattara. L'arthrose ne concerne pas que les personnes âgées. Certains sportifs sont aussi touchés. De plus en plus de sujets jeunes font aussi la maladie avec, par exemple, l'utilisation abusive des téléphones, des ordinateurs. Pour dire que l'arthrose est une usure des articulations ou un excès de pression sur les articulations, professeur Idrissa Amadou Cissé, chef du service de rhumatologie au CHU du Point J. L'utilisation que nous faisons de nos articulations, les dockers, les gens qui portent les bagages sur la tête, ils vont faire de l'arthrose du cou ou des épaules, plus que, par exemple, le footballeur dans l'arthrose des genoux, le basketteur l'arthrose des chevilles. Quand on fait du tennis, c'est pas exactement pareil. Généralement, chez nous, la cambrure et le poids est un critère de beauté, d'aisance dans le monde féminin. Et ça, malheureusement, sur la colonne vertébrale, ça a des incidences et ça facilite les usures. En effet, le cartilage est le tissu protecteur qui recouvre l'extrémité des os. Chez les personnes souffrant d'arthrose, le cartilage se détériore, ce qui entraîne un frottement des os de l'articulation. Conséquence, la destruction de l'articulation de l'homme. Dr Ibrahim Souri Pamanta, rhumatologue au CHU du Point J. C'est au niveau des genoux, ça peut conduire vers une arthrose destructive, qu'on peut peut-être obligé de mettre une prothèse. Et si c'est au niveau des rachis lombaires aussi, ça peut user carrément le cartilage. Et souvent, on peut mettre des osteophytes parce que ça fait comme des pointes souvent au niveau des os qu'on appelle des osteophytes. Et ces osteophytes peuvent aller en postérieur et comprimer souvent la racine. Et quelque soit, on est obligé d'aller vers les neurochirurgiens pour opérer. Et on ne comprend pas, ce n'est pas la hernie discale seulement qu'on opère, même des arthroses postérieures. Donc quand l'osteophyte va en postérieur et que ça comprime un peu la racine, ou ça comprime la racine, on est obligé d'aller opérer. L'arthrose peut donc atteindre toutes les articulations, car plus une articulation est mobile, plus elle a des risques de faire de l'arthrose. Les symptômes peuvent varier d'une personne à une autre, mais le plus courant est la douleur. Professeur Idrissa Amadou Cissé, chef du service de rhumatologie au CHU du Point J. La douleur survient généralement pendant les mouvements, parce que c'est le frottement, c'est la mobilisation de l'articulation qui le fait. Selon les individus, selon le contexte, selon des maladies associées,
Quand on a de l'arthrose, on peut avoir des douleurs au repos. Mais généralement, c'est des douleurs quand on se met en mouvement ou quand on est en mouvement. Le traitement consiste à réduire les douleurs et à maintenir la mobilité articulaire. Dr Ibrahim Souri Pamanta, rhumatologue au CHU du Point J. Il faut agir sur les facteurs qu'on peut agir. Il y a des facteurs qui sont modifiables et d'autres qui ne sont pas modifiables. On ne peut pas modifier l'âge, mais on peut modifier le surpoids. Donc si on a un surpoids, c'est de diminuer le poids. Conséquemment, et si on fait des activités intenses qui peuvent entraîner l'arthrose, il faut les arrêter. Donc c'est toutes ces mesures qu'il faut faire qui accompagnent le traitement et puis on a un régime. L'arthrose peut altérer de façon importante la qualité de vie tant sur le plan professionnel que social et familial. La meilleure façon de le prévenir est de lutter contre les principaux facteurs de risque qui sont notamment le surpoids, les traumatismes articulaires. Focus Santé. 9h passées de 20 minutes. C'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseyni Tounkara. Bintou Traoré a assuré la connexion technique. Aziz Kloubali assure la mise en ligne. Une édition coordonnée par Ousmane Daou. Prenez bien soin de vous. Bon dimanche. Que le bon Dieu nous protège.